Et voilà, on se retrouve premier matin. Et là, c'est le jour 2, direction Cheyenne, dans le Wyoming. Donc, on se réveille à l'hôtel Days Inn de Denver Airport. Bon, très bien, on a bien dormi, pas de bruit. Bon, à part la clim, mais comme je pense dans beaucoup d'hôtels américains, on aura la même. Vous savez, le gros truc sous la fenêtre qui fait un bruit chaque fois que ça se réenclenche. Bon, moi je suis réveillé depuis 4h30 ce matin, Myriam depuis 5h, je suis à 5h15. On a profité pour voilà, réorganiser un peu toutes les valises. On va descendre au petit-déj qui ouvre à 6h et il est 6h-10. Et puis moi après je file récupérer la voiture. Voilà, et ben suivez-nous pour cette première vraie journée de vacances. On a récupéré la voiture, je vous ferai 2-3 petites vidéos pour vous montrer. Et là on est au Walmart faire des courses et entre autres prendre un siège auto parce que le siège auto qui était proposé par Budget était vraiment pas top. Donc on va aller en acheter un, voilà, pour que le petit bonhomme il soit bien installé. Continue les courses, on a déjà trouvé le siège auto, la glacière, 2-3 affaires. Et puis voilà, on continue, on va commencer à attaquer les courses de bouffe. Parce qu'il faut qu'on survive dans ce désert du Wyoming. On était à un fun center avec un... Je vais vous mettre les images de toute façon. Il y avait un mini golf, franchement le parcours était très bien décoré. Et bon, après une salle d'arcade, bon alors si vous aimez les enfants de entre 6 et 12 ans un samedi midi au milieu de machines qui font du bruit, c'est l'endroit où il faut venir. Après sinon à l'extérieur il y avait un circuit de genre un peu karting, pas aussi rapide que du kart,
Sinon, des espèces de lacrobranches aussi. C'était assez marrant. Finalement, assez haut. Voilà, bon, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a pas mal de vent. On va se prendre, je pense, un orage sur la route avant d'arriver à Cheyenne. Donc là, on va direction Cheyenne. Normalement, il y a à peu près 2 heures de route. Mais on va s'arrêter au Visitor Center de l'entrée du Wyoming. Et puis, on vous montre tout ça. Et on a fait aussi quelques petits achats à Yankee Candle. Entre autres, quelques bougies pour ma sœur qui adore ça. Qui a passé un an aux États-Unis et qui, avait gardé ça aussi en mémoire. Et puis pour nous aussi, et pour mettre dans la voiture, pour que dans la voiture ça sente bon. Ben voilà, on est entré dans le Wyoming. Coucou. On se retrouve au Southeast Wyoming Welcome Center. Choper un peu d'infos, si possible une carte de l'état aussi. Et puis apparemment il y a une expo intéressante, des animaux empaillés, etc. Donc on va voir, et puis comme d'habitude on vous montre tout ça. Et Joshua il est dans la poussette parce qu'il était un petit peu fatigué. Balade dans Cheyenne, on a sorti les vestes parce qu'il y a un sacré vent. On était à deux doigts de alerte orange ou rouge tempête, mais c'est passé un peu plus au sud, donc tant mieux pour nous. Mais il fait quand même, il doit faire 20 degrés, mais avec un vent pas possible. Voilà, je sais pas d'ailleurs si vous allez nous entendre. Alors, on a fait un petit tour du coup vers la gare, je vous ai montré quelques images. On pensait aller jusqu'au Capitole, mais en fait il est tout en travaux, tout bâché, donc ça vaut pas forcément le coup. Donc là on va retourner à la voiture et aller manger quelque part, un endroit où on a repéré, on va voir si c'est là où on va manger. Voilà, à plus tard.